C'est PlayGamer, c'est Atomix River, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, une vidéo qui vous permet de réussir le contre-la-montre de ce samedi 7 mai. Donc, comme vous le savez, la semaine prochaine, donc à partir du 6 jusqu'au 12, il y aura des contre-la-montres chaque jour. Et le contre-la-montre de tel jour, enfin, tous les contre-la-montres au long de la semaine seront doublés en dollars et en RP. Donc là, c'était le contre-la-montre du Montchiade. Des centres, donc le plus compliqué de tous les contre-la-montre, donc vous le connaissez déjà, je vous l'avais déjà fait en vidéo, donc je vous le refais pour pas que vous ayez besoin de le chercher dans mes vidéos. Donc je suis désolé, hein, j'aurais pu vous le publier plus tôt, mais bon, il est très compliqué, puis j'ai pas joué vraiment beaucoup de la journée, donc très très compliqué quoi. Donc là, arrivé ici, donc voilà, vous prenez le saut à peu près comme ça, pas sur la bosse, mais au milieu des deux chemins, et ensuite vous restez en cross comme ça. Donc vous devrez vous équiper de la Sanchez, hein, je vous l'ai pas dit, mais parce que beaucoup d'informations à dire en très peu de temps, donc c'est un peu serré quoi. Donc là, faut bien penser à freiner, et puis on remporte le contre-la-montre avec 101 000 $. Écoutez, c'est pas négligeable quoi. Pour un petit contre-la-montre où tu mets 3 heures pour le réussir, 101 000 $, c'est plutôt. Enfin, ça fait plaisir quoi. Donc allez, on va fêter ça tout de suite. Voilà. Petit coup de feu d'artifice. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager avec tous vos potes. Moi je vous retrouve demain pour le contre-la-montre de demain. Et d'ici là, geek est bien, puis bonne chance pour le contre-la-montre. Et puis, allez, bisous. Salut, salut.